Ouais, je suis parti juste en dessous des chalets là-bas. Après, bah, je suis monté tout droit par là, à travers les prés. Et me voici arrivé à la croix de Dormia. Très joli par là. De ce côté, c'est la chaîne des monts d'Albé, avec la dent du Corbeau, et puis là-bas au fond, le Grand Arc. En bas, ben, c'est la vallée qui va sur Moutier, Albertville-Moutier. Alors ça doit être, je pense, Esserblé. Et puis un peu plus loin, ben, il doit y avoir Sevin là-bas, je pense. Depuis la croix, ben, j'ai suivi toute la crête là. Voilà, jusque-là. Et ensuite, on arrive en vue de la pointe de la Vouée. Ici, c'est la pointe de la Grande Journée. Là-bas au fond, c'est le mont Mirantin. Et ce qui est très joli par ici, c'est tous les petits lacs qu'ils appellent les lacs de la Vouée. C'est entre des flaques et des lacs. Pour ça que j'appelle ça des flaques. C'est vraiment très joli. Il y en a plein, de toutes les formes. Ensuite, je vais essayer de passer en face parce qu'il y a un lac qui se cache dans la combe là-bas derrière. Le lac sans fond. Et voilà un joli petit flac avec des jolis pompons de l'Innaigrette devant. C'est vraiment superbe. Oh là là. Ça vaut le coup de venir par ici. Il y en a un deuxième petit juste à côté. Qu'est-ce que c'est chouette ici? Oh là là! Mais que c'est beau par ici! Oh là là! C'est vraiment extraordinaire! Encore un petit flac, très joli, scintillant celui-là. Oh que c'est beau. Là, ben, il y a Toutou qui se baigne. Très rigolo ce Toutou. Ça doit être le loup blanc du pays. Plouf, plouf, plouf. Encore le lac scintillant. C'est chouette, il est plein d'algues. En fait, c'est pas des algues. Je sais pas ce que c'est de la végétation.
Ben voilà, là c'est le plus grand des lacs. Des lacs de l'Avoué. La première fois que j'observe des gentianes blanches. C'est étonnant, je connaissais pas. Me voici au pied de la pointe de la grande journée. Et qu'est-ce qu'il y a au pied de la pointe? Hop! Le lac sans fond. Alors pourquoi sans fond? Peut-être qu'on voit pas le fond. Je vais aller voir ça d'un peu plus près. Ça a l'air sympa en tout cas. C'est bien vrai qu'on voit pas le fond. Mais il est joli ce lac. Oh là là. Que de belles choses par ici. Purée. Le sommet de la pointe de la grande journée. Petit panoramique. Ça, c'est les monts d'Albée. En bas, ben, c'est Albertville, évidemment. En face, c'est les Bauges. Tout au fond, là-bas, ben, c'est la Chartreuse. La Dent de Conce. La Tournette. Donc c'était les bornes, là c'est les Aravis, avec le mont Charvin. On fait un petit tour, il y a plein de montagnes que je connais pas. Ah si, là il y a le mont Mirantin. Au début ben, je voulais traverser tout ça, et aller jusqu'au bout, mais bon ça suffira pour aujourd'hui. Ah, ben là-bas c'est le mont Blanc. Commence à s'ennuager un petit peu. À part là-bas, je connais pas trop. Mais ça a l'air magnifique là, les boulis en plus. Oh là là. Il y a de ces trucs là. Faut y aller un de ces jours. Ah puis ça là-bas, si c'est pas beau. Oh là là. Extraordinaire. On continue. On va vers la Vanoise. Là-bas, ben, je pense que ce sont les grands glaciers de la Vanoise, je suppose. Le paysage est vraiment extraordinaire ici, ça change un peu. Voilà, il me reste plus que à aller vers la petite pointe de l'Avoué qui est là. Et après à redescendre vers le col de la Bâtie. Depuis la pointe de l'Avoué, l'itinéraire complet. Donc départ des chalets de Bellacha. Puis toute la crête. Jusqu'au col des lacs. Ensuite descente vers les lacs. Puis remonter vers le lac sans fond. Puis jusqu'au col ici. Jusqu'au sommet de la pointe de la Grande Journée. Retour au col, traverser des crêtes, un peu partout où ça passe. Descente vers un petit lac en bas. Et retour par un petit sentier qui va me ramener à la route jusqu'au chalet. Surtout ne pas descendre tout droit à la pointe de l'Avoué. C'est très dangereux. En face de la pointe de l'Avoué, on aperçoit d'anciennes mines d'ardoise. Il paraît que c'est sympa à aller visiter, alors j'irai peut-être un jour.
Il y a encore des ruines de bâtiments. Encore des petits lacs. Cette fois, c'est à la descente de la pointe de la Vouée. Purée, ben, c'est vraiment splendide ce coin. Super ces herbes qui scintillent au soleil. De loin, on dirait de la glace.